Encore une fois, mesdames et messieurs, nous comptons rejoindre nous, son plaisir pour nous avec vous et pour nous porter information pour vous. Nous profitons de remercier avant même de nous entrer en dans la cause, chaque grand fanatique nous, abonnez nous, amis nous, compatriotes nous, tout ceux là qui toujours été connectés. Sous TV Lakay, nous disons merci pour confiance, merci pour fidélité. C'est toujours un plaisir chaque fois nous rejoignons pour une nouvelle vidéo, nouvelle information. Je nous connais là, mesdames et messieurs, ancien président et Lavalas, ancien président Jean-Bertrand Aristide, eh bien, monsieur t'a testé positif dans la question Corona. En pile, information a circulé et bien, en pile, voie monter qu'a fait tout dans la question ça. Eh bien, nous parlons vite autant de réactions Gary Pierre-Paul Charles en tant que yon nan premier monde qui a annoncé ça sur Twitter. Côté le défend poste pour le faire connaître, ancien président Jean-Bertrand Aristide testé positif dans la question Corona et monsieur Pat Potil, très bien du tout, eh bien, en pile moun nan opposition fâché estomaqué, yon ta même vle battre Gary Pierre-Paul Charles pour information ça. Eh bien, nous parlons vite autant de qui réponse Gary Pierre-Paul Charles voye pour population hein, et qui sa tout, il dit opposition hein, sous question ça. Tout détail était connecté sous vidéo. Pas oublier sur nouveau sur canal ça ou sur TV Lakay, canal information hein, pour si là qui faut qu'on abonne avec nous. Pas hésiter à faire ça. N'a pas rejoint nous pour une nouvelle vidéo. Vous me parlez? Nous, certainement, fait échange. GPBC, bonsoir, comment vous êtes? Oui, bonsoir, Marco, comment est-ce? Nous eh bien, nous là, nous regardons. Ok, bon, mais Walter font diligence là. Bien content, monsieur Msalé, nous. Par contre, De Gaulle, est-ce que bon côté, nous sortis bien? Et jusque-là, oui. Ça va, Gary. Très bien. J'ai entendu les considérations de Val, de Marco, campagne, etc. Mais, nous disons, on ne va même pas aller. On va parler pour. Et Scoop FM, Scoop TV, nous dépasser ça au télédiffusion information dans le pays tiers, dans le pays carbone. Parce que nous sommes radio, nous sommes télévision, qui ont dimension nationale, c'est-à-dire nous avons qui gens pour chercher l'information, et c'est ça qui veut nous dépasser. Nous qui fait politique dans le pays. Et moi, je dis, Gary, non, mais dit nous-mêmes. Parce que l'on vit nos pays comme Haïti, nous pensons que tout ça dans le pays est supposé même bien avec Haïti. Nous qui fait business, nous sommes la bois. Nous qui connaissons, nous sommes dans la fatra. Nous qui sommes politiques, nous sommes dans la bois. Mais tu as dirigé dans la boue. Donc, la presse supposait même bien. À ce coup, nous avons dit non. Nous dit non, parce que nous devons mettre pays dans notre dimension en termes d'information. Alors, tout d'abord, je dois saluer Wana Lazare Vincent. Wana. Tout d'abord. Parce que c'est lui qui prend pour conclure toute critique qu'il a fait sous information qu'il m'a là. Nous saluons pour courage. J'aime quoi dans l'IA, il quoi dans moi. Il m'a parlé avec moi. Après, il faut me saluer Jean-Bertrand Aristide. Ancien président Jean-Bertrand Aristide, que j'aime rater une occasion. Pour me saluer, que je ne vais jamais rater une occasion pour me dire, leader charismatique, ça. Ça vaut au pays, ça. Et occasion de nous rater. Je dis à ma reprendre même bagarre là. Dans ce coup, nous n'avons aucun problème à travailler ni Jean-Bertrand Aristide. D'ailleurs, qui type comme ça. Pas ça, comme ça. Anthony Dessous, comme ça. Évidemment, les fous d'Alcatraz. Les fous de Saint-Antoine, hein, comme d'a reprendre Lionel Trouillot, ils ne sont pas au courant. Qui genre, mon journaliste fonctionnait et
qui gens ou supposé le respect pour information. Yo pas comme ça, moi pas donner. On bagay pour me dire pour me jouer pour me dire parole qui pas correct. C'est travail pour me travailler plus. C'est nouvelle pour me chercher plus. C'est pays pour m'essayer accompagner avec leader conséquent pour le peuple la formation pour les ba une nouvelle, je sais pas bêtise lui dit pour apprécier capacité compétence honnêteté. Un monde qui n'a pas eu à faire bonjour à nouvelle. Après Libéra, comme ça, les membres actifs et respecter la famille de la nation. Et j'ai bien dit, les membres actifs de la famille de la nation. Je supporte ma saluer, mon qui supporte la famille de la nation, qui va m'en actif. Parce que, lorsqu'on supporteur, ou pas qu'à des contacts avec le président Aristide, s'il y a un problème. Pas Chavot, mais pas un supporteur. Anthony Nessus, non plus. Parce que vous savez, si nouvelle la baisse, il n'est pas bon, il a pris les titides. Si on va jouer une titide, il a pris les minouches. Si on va jouer une minouche, il a pris les sécurités là. Donc, ce n'est pas eux-mêmes qui t'ont dit nouvelle là, pas correct là. Je salue particulièrement un supporter de famille Lavalas, Chiller Louis-Dor, qui n'est pas membre de famille Lavalas. Parce que si c'était le cas, comme je lui ai parlé hier, dans la veille, de manière classique, et Chiller dit, mais bah, que le pas dit pas de problème. Mais non, pas qu'on nouvelle, ou pas qu'à dit c'est pour chercher qu'on nouvelle là. Ou pas qu'à dit fake news. C'est pour dire pas qu'on est. Ou pas qu'à dit que le président se porte bien. Pendant ce temps où 12 est membre parmi la balasse. Et puis c'est pas vrai. Que le pape était le bien. Donc, le journaliste ouvert micro pour parler l'envelé, pour respecter l'information que le bail, que le diffuser. Si moi j'ai un problème, comme responsable radio ou pas qu'à joindre Juan, ou pas qu'à joindre De Gaulle, ou pas qu'à joindre Marco Val, Campagne, Manuel Yves, Itchon Saint-Fleur, donc vous ne faites pas partie de la famille du scoop. Et c'est ce qui s'est passé. Sous pas qu'à joindre nos proches, le président de Jean-Marie Aristide, pour qu'on ait, est-ce que le bien, est-ce que le bon problème, c'est que vous ne faites plus partie, ou bien vous ne faites pas partie de la famille à Valas. J'ai dit. Je continue. Cependant, je n'ai aucun problème avec mon ami, mon frère. Il est intervenu le matin sous scoop avec Manon, qui toujours profitait pour saluer, profitait pour première fois, pour moi, pour une salutation de manière élégante. Donc, ouais, où est tout ça passé? Baguette pour me tourner sous sa mundi, en avancé. Là, mon gué nouvelle, président Aristide, bon problème, c'est Claude Joseph qui a remarqué dans l'immigration, toujours dimanche, il bloque la route là, net, en pile chef de son, et mon cap de son nan, mon nan dit, chaque gène immigration le dimanche soir. Mon nan viré sous radio Vision 2000. Pour voir si Vision 2000 a bâillé aux nouvelles.
Mon avire sous scoop pour voir si scoop a bound. Pas de nouvelles qui baille. Puis, moi-même, ma montant escalier, téléphone me sonnait. Mon téléphone non, je continue à parler avec une personnalité avec moi. Mais Claude n'était pas seul, selon l'information qui m'a eu. Et confirmé. Non, Claude avec Marie-Zna. Après, je mets Aristide politiquement. C'est Marie-Zna qui supposait être moun qui est plus important dans la famille là-bas. Je ne parle pas de Pacha. Je ne parle pas de Pacha, ni de Nessus. Puisque c'est Marie qui a été candidat à la présidence pour la famille Lavalas. Et son membre actif de la famille Lavalas. Noël avec Claude. Rapidement, Marco Val Campagne, l'opposition traditionnelle, l'opposition revancharde, l'opposition méchante, et les mauvaises langues ont rapidement fait circuler sur le réseau que la famille Lavalas a négocié avec le gouvernement et Jovenel Joseph là, ça veut dire Claude là, pour le gouvernement y aurait les amoués. Mais où est ça sous les oies en même temps que m'était dans le téléphone là? C'est sa nouvelle là. Bye! Et on commence journée famille Lavalas. Moi, la rue de la Rochelle, je dis que ce n'est pas possible là. Pour faire l'immigration, pour nous faire négociation ça. Et moi, je vois un coup de fil d'une des plus grandes personnalités de la République. Je ne parle pas de Jovenel. On va parler de Claude, on va parler de Titid, on va parler de Lambert. Nous avons une information. Elle donne information. Elle prend le téléphone, elle prend l'immigration. Personne ne parle de l'immigration. Nous avons besoin de ça passer. Et finalement, de une source qui me fait confiance, sous la vigne, il y a son passeport en urgence pour l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Vous écoutez sur cette pour cette interview. Nous sommes la radio et la précision de l'information. Donc, une fois que je vais confirmer mes informations, ça, je vais continuer à parler avec moi. Moi, je vais apprendre à la suite, j'avais dit beaucoup d'informations. M'a compilé, m'a chassé. Je vais apprendre par la suite que comme Claude était en bas avec Marie Narcisse, ils ont fait un passeport en urgence pour Titine, parce que le passeport était expiré, toujours selon ce point, hein? Et ils ont mis comme cause raison humanitaire. Ce n'est pas passeport qui sont passeport humanitaire. Il y a plein de décisions, ça, pour faire passeport en urgence, pour y mettre un Aristide, parce qu'il est malade. Maintenant, l'une des nouvelles, ça, mais pourquoi sentir confortable? Parce que l'idée deux personnalités qui l'attendent. Le personne va nous compte de l'information. Un, l'idée président Aristide qui est malade, que l'on dit malade. Deux, l'idée Jovenel qui baille autorisation pour nous retirer dans l'immigration. Trois,
Il y a un troisième personnage qui c'est Claude. Il y a un quatrième qui c'est Marie Narcisse. Comment voulez-vous que journaliste, quel que soit mon désir, pour avoir une mauvaise nouvelle, pour mettre tout le monde là-dedans? Vous n'avez jamais réfléchi un moment, non? Aristide malade, Marie Narcisse à Claude à l'immigration, et ça fait trois, et Jovenel by autorisation. Mais est-ce qu'il réfléchit que l'administration publique là fonctionnait du lundi au vendredi? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Vous qui m'écoutez, vous membres de famille là-là, vous qui vous dites haïtien, est-ce que nous réfléchissons? Soyons ouverts. L'information, c'est l'ouverture du bureau de l'immigration un dimanche par le chef du gouvernement sur demande du président de la République. Ça veut déjà montrer nous que des urgences quelque part. C'est la première information. L'information de COVID, Corona, ni pourquoi là du tout. L'information confirmée, c'est que Marie-Lise était avec Claude au service, au bureau de l'immigration, un dimanche, ce qui est anormal. Je ne suis pas obligé de vous dire, de vous faire la leçon, mais je suis obligé de vous expliquer calmement comment ça fonctionne, mon Dieu, Dieu du ciel. Donc, imaginez un dimanche, il y a ouvert bureau d'immigration. Donc, c'est un faux problème. Peut-être qu'on y a un vrai chercher comme petit problème qui est. Et c'est le sable, nous connaît, parce qu'on va expirer. Donc, il faut le faire pour lui en urgence. Maintenant, passeport fait, je fais responsable d'immigration descendre et on va marier le passeport. Selon ça, il a dit, qu'on y a marié, allez à passeport, nouvelle là, qu'on y a une nouvelle là. Moi, je dis, on est contracté le coronavirus. Ça veut dire, mais pourquoi dire le coronavirus? Même bail nouvelle là, quand même. Regardez, il y a même mon lit. Il y a tombé jouer. Il y a tombé jouer. Non, ok. Finalement, je suis obligé de suivre. Information ça. Je suis obligé de suivre l'information jusqu'à ce que. Journaliste, que j'aime. Gros journaliste, qui est le petit Jean, qui travaille dans le signal, qui est dans le ministère de la Justice, c'est qui? À chercher l'information, mais pas de parole là. Pas de parole là dit, le président se porte bien. Ou même si c'est non petit. L'homme pourrait ça. Pour les petits, il dit petit. Petit, mon cher ami, vous ne pouvez pas confirmer une information avec le pas de parole de M. Aristide. Il faut parler avec Marie-Lise. Ou bien Pacha ou Betty lui-même. Le pas de parole, même s'il connaît pas du tout. Et puis, l'autre bagarre encore petit. Comme confrère, parce que Peggy dit, les amis liens, moi-même tout, d'accord, les amis dit, tu aurais dû m'appeler Peggy, d'abord l'autre détail. Et puis, Peggy ferme qu'on est, dans le voie nègre là, lui décelé, que M. va même au courant. Et donc, Robinson a le force, les nouvelles Israël, comme son bon ami, moi, je vais m'acheter tout le détail. Pendant ce temps, il a fusillé M. sous les doigts. Donc, il a placé sous les coups. Et puis, nouvelle liste sorti un article qui répétait même bagarre, mais il parlait avec le Premier ministre. Le Premier ministre dit même tout le temps de Dieu. Et puis tout le monde a dit rien, comme si il écoutait la nouvelle là. Mon pays que voici, disait Anthony Pels. Ah, heureusement, Patrick Moussignac te parlait avec moi. Et puis il dit j'ai pépé ces nouvelles là. De l'imagement. Donc, moi, personne ne me dit nouvelle, bon, madame. Depuis, je ne parle pas de Moussignac et puis fini. Parce que nous autres, nous toujours essayons de confirmer l'information. Et puis, depuis ça, nous mettons toute machine en marche pour nous connaître, ou très en marche, pour nous connaître qui est, ce qui va passer avec la justice. Maintenant, vous m'avez qui va attirer attention. Et je salue Jiji. Jean-Junior Joseph, qui a travaillé sur question ça,
Bon journal, en ligne, y aurait AHP. Journal, ça, c'est pour Venel Ronald. Venel, je ne sais pas si ça m'a dit à déranger, mais si déranger, je m'a présenté une excuse après ça. Mais tout le monde connaît, Venel et Marais sont proches de famille là-bas. Là. Monsieur écrit, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, testé positif au coronavirus, est actuellement soigné par les meilleurs médecins de la place qui bénéficient des conseils de plusieurs médecins étrangers. Depuis le test positif, l'état de santé de l'ancien chef d'État est stable, selon des sources dignes de foi. Ces mêmes sources informent que M. Aristide a passé une bonne nuit de dimanche. Toutes les proches du président Aristide ont pris toutes les dispositions pour obtenir un passeport en sa faveur. Nouvelle débat. Dans le cas où il devrait continuer à se faire soigner à l'étranger. C'est ce qui a été fait hier dimanche. Cette décision n'a toutefois pas été motivée par l'état de santé de l'ancien chef d'État qui est stable. Maintenant, concernant l'éventuel pays où il pourrait se rendre, plusieurs offres ont été faites par notamment Cuba, la République dominicaine et les États-Unis. Et si donc il n'est pas exclu qu'il quitte le pays peut-être ce lundi ou demain mardi sur conseil de sa proche. En gros, l'ancien président Aristide a bien été testé positif. Venel Remarin, un proche de Jean-Bertrand Aristide. Mais écoutez, vous devriez normalement saluer ce qui fait scène. Parce que c'est à partir de la diffusion du tweet de Scoop que nous venons la fond bombe. Mais il faut respecter les gens qui font des efforts sérieux, avec respect. Il faut respecter les gens qui font ça. Parce que vous, les gens dans l'information, ce n'est pas dans la rue de Ramassel. Ce n'est pas sur les réseaux de Ramassel, propre, non. Et puis là, il y a un site. Donc, l'information de cette dimension, de cette envergure, il faut qu'on vérifie. Comme Scoop avait donné les résultats des élections de Michel Martelly, comme Scoop avait donné les résultats de Jovenel Moïse, comme Scoop avait donné l'information relative à la mort de René Préval. Vous avez oublié, nous sommes les maîtres en ce qui a fait la diffusion de l'information crédible dans ce pays. Il faut quand même nous respecter. Nous avons fait des efforts. Sur 7.7 FM stéréo. En cette occasion, nous avons diffusé des informations reprises par CNN et Miami Herald. Le site est scoupé Garipé Potol. Donc, un peu de respect pour l'objectivité. Un peu de respect pour les journalistes qui ont le sens du sérieux. Je salue Bobsé. Comme je t'en disais matin. Bob, où qu'on est tout bagaille. Dans le pays, ça n'est pas facile pour notre bonne nouvelle. Moi, s'il y a plus facile pour bail. Ce qui est, c'est ça qui passe en fait. L'un film bonne nouvelle là. Tout le pays a appris l'aime. Et me confirmer avec eux. Et on t'a confirmé. Maintenant, ma voix prend encore Gonnet qui est le Dimitri Vob. Qui se forme non, pendant que nous avons calonné nous. Avons calonné. Et puis, monsieur dit poser Fontitan. Fontitan. Gonnet qui dit, monsieur, Gary prend le fâché. Et puis, monsieur, au même pas, j'aime fâché. Monsieur dit, cette fois-ci, Gary va fâcher. Il était comme bon comportement. Et puis, la nouvelle là, tombée, bao. Oh, tout le monde dit, monsieur, il faut présenter des excuses à Gary Desbrochal. Mais ils n'ont pas le courage de le faire. Et c'est pour ça que le pays est dans une situation ça. Parce que leur caché dans un téléphone, ou sans nom, ou à critiquer un monde qui a pensé, ouais, ça qu'a fait pour le pays. Ou bien tout ça, je voulais. Mais je ne vais pas donner nom, parce que je vais toujours continuer ma information pour nous. Donc, ça veut dire, je vous dis, ma continuer avec ça. Nous
qu'on connaît si avion gen pou vini. Cependant, Madame Lamure, qui est l'ambassadrice à Cuba, le responsable de section de problème sanitaire à Cuba, un gros responsable qui prend contact avec Madame Lamure. Et Madame Lamure, ouais. Oui. Équipe Sport à Salio. Yes. Équipe Sport à Salio, on va continuer. Ok, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Donc, Madame Lamure prend contact avec Chef Fli. Il a demandé est-ce que l'information il a bail sous ancien président, il a demandé pour un déplacé, est-ce que l'information est officielle? Et responsable en Haïti a dit aux informations officielles. Donc, ça fait, et depuis hier soir, tout le monde avait avion. Et ne sais pas si bon avion qui est entré. Avion entré, il n'est pas entré pour l'hôpital ici. Il est entré pour Cardoso, ok? Avec ou l'autre monde, c'est deux mondes qui ont un corona, avion, pour aller l'autre côté avec eux, mais c'est pas avion. À l'issue là, ce qu'il y a un débat, ni avion, ni non monde. Mais il est tourné sous ça encore. Mais je suis là, tu dis, non? Oui, ok. Qui t'aime dit nous, monsieur? Tout président, c'est des personnalités importantes. Un de ces présidents, au même temps. Mais monsieur, vous me dites, comment vous voulez dans le pays des présidents que vous avez déjà? Pour nous dire, Aristide, testez positif. Pour nous comprendre comme si le pas capable de maladie. Mais qu'est-ce qu'il y a pour lui? Qui si t'apprennent, même je n'ai pas de monde t'apprennent. Messieurs, c'est offert, t'as plus belle toujours. Ma petite, j'aime bien aller. Messieurs, c'est offert, t'as plus belle toujours. L'aime la nouvelle là, ils ont dit me tester positif moi-même. Bon, monsieur, si me tester positif, il n'y a pas de problème pour ça. Maman, il y a mis malais, la caméra est la mienne. Maman, il y a mis malais, et puis mal à l'hôpital. Mais pour qui ça, vous t'as testé positif? Et si tu pas qu'à tester positif? Qui t'aime aller, me salue au one pour courage.